À la sortie de l'hiver, commence la lente remise en marche des machines végétales et animales, engourdies par des mois de somnolence. Les crapauds communs et les grenouilles rousses font partie des éveillés précoces et paraissent ne pas croire encore à l'arrivée du printemps. Les tritons sont là également. Eux aussi sortent à peine du trou où le froid et la neige les avaient poussés à s'enfouir pour entrer en hibernation quelques mois auparavant. Après des mois de sommeil, ils paraissent bien hésitants, comme s'ils devaient réapprendre les odeurs, les formes des lieux qui leur sont si familiers. Pourtant, il n'en est rien, car les tritons connaissent tous les secrets de l'orientation. Ceux-ci leur permettent de faire un lent et parfois très long voyage, celui qui les mène tous les ans à cette époque, sur leur site de reproduction. Le but de leur pèlerinage est situé à plusieurs centaines de mètres, parfois à des kilomètres de leur refuge habituel. C'est une simple flaque d'eau, le plus souvent une mare ou le bord d'un étang, au fond duquel les tritons changent totalement de vie. Car là est l'originalité des tritons. Laids, ternes, mauvais marcheurs, pour tout dire plutôt insignifiants lorsqu'ils sont à terre, ces animaux se transforment complètement lorsqu'ils atteignent le lieu de leurs futurs exploits amoureux. Tout d'abord, une certaine aisance à se mouvoir dans le milieu aquatique remplace la maladresse de la démarche terrestre. Ensuite, les robes terreuses et ternes, communes à toutes les espèces de tritons lorsqu'ils sont au sol, se muent en des costumes infiniment plus séduisants, portés par les mâles. Chaque espèce porte ses propres couleurs, varie les dessins, ou choisit tout simplement de se distinguer par des appendices tout droit sortis des temps préhistoriques. Dans le monde animal, l'apparition d'une telle débauche de formes et de couleurs n'a souvent de sens qu'au service d'une nécessité impérieuse. Dans ce cas, il s'agit bien sûr des parades amoureuses. Celles-ci commencent très tôt pour la plupart des espèces et battent leur plein durant une bonne partie du printemps. Au terme de leur voyage, les tritons de différentes espèces se retrouvent donc par centaines au fond des mares ou de l'eau peu profonde des étangs. Les premières manifestations de leur frénésie amoureuse démarrent alors immédiatement. Les parades nuptiales de la plupart des tritons obéissent à des rites très précis. Après avoir sollicité une femelle par quelques coups de museau sur les flancs, le mâle se place devant elle et entreprend une singulière manifestation. Solidement campé sur ses pattes, il replie sa queue et en agite frénétiquement l'extrémité. Si la belle se montre quelque peu indifférente à ses avances, le mâle n'hésite pas à recommencer sa démarche en y mettant, semble-t-il, toute sa conviction. D'autres espèces utilisent les mêmes manifestations, avec des rythmes et des intensités différentes, mais tout aussi efficace, sans doute. Les mâles doivent répéter leur danse de nombreuses fois devant plusieurs femelles, avant de trouver une partenaire réceptive à leurs avances. Lorsque l'affaire est enfin conclue, la tritone se place derrière le mâle et suit ses déplacements pas à pas.
Peu à peu, ce petit jeu conduit le mâle à un état d'excitation extrême, au terme duquel il émet par son cloaque la masse blanchâtre de son sperme. À la sortie des organes génitaux, la semence des tritons s'entoure d'une gangue gélatineuse. Cette capsule reste au fond quelques instants, jusqu'à ce que la femelle, dans le même mouvement, passe par-dessus. Elle la saisit alors avec les lèvres de son cloaque et la fait tout bonnement disparaître à l'intérieur de son corps. À l'issue de cette curieuse opération, la tritone dispose donc d'une provision de cellules reproductrices qu'elle utilisera à sa guise pour féconder ses œufs au fur et à mesure de la ponte. Les femelles de tritons déposent leurs œufs sur la végétation aquatique, mais avec d'infinies précautions. Elles passent tout d'abord de longs moments à choisir en tâtonnant la branche, et surtout les feuilles, qui auront l'honneur de recevoir un œuf. La vue, l'odorat, le toucher, semblent jouer à ce moment un rôle important. Après de longues hésitations et plusieurs essais infructueux, chaque tritone parvient à trouver le lieu idéal et se décide enfin à pondre. L'opération se fait avec une précision et une délicatesse surprenantes chez ces animaux plutôt primitifs. Les pattes arrière se transforment en de véritables petites mains expertes qui massent, pelotent et plient avec minutie les feuilles pour former une petite corbeille dans laquelle l'œuf est déposé. Toutes ces précautions prises au moment de la ponte ne sont pas gratuites. Elles permettent aux œufs d'être dissimulés à la vue des nombreux prédateurs qui hantent le milieu aquatique. La présence des tritons dans les mares et les étangs coïncide bien souvent avec celle des grenouilles rousses, qui s'y rendent elles aussi dans le seul but de se reproduire. Après quelques jours d'étreintes farouches et d'accouplement, au sein de cette foule grouillante, des masses d'œufs envahissent peu à peu le fond de l'eau. Les grenouilles ont une stratégie de reproduction fort différente de celle des tritons. Elles pondent de grandes quantités d'œufs, mais les laissent sans protection à la merci de tous les prédateurs. Parmi eux figurent justement les tritons. Ceux-ci sont en effet des carnassiers très actifs, pour qui ces masses gélatineuses constituent curieusement un plat de choix. Quelques semaines plus tard, les tritons continuent encore à exercer leurs méfaits à l'encontre des grenouilles. Des milliers de têtards envahissent en effet les plans d'eau et sont autant de proies assez faciles à capturer, sinon à avaler. Les tritons sont d'une voracité apparemment sans limite et s'attaquent souvent à des proies bien trop grosses pour eux. À cela s'ajoute une conformation particulière de leur arrière-gorge, qui les oblige à des efforts considérables pour parvenir à avaler les proies qu'ils ont capturées.
Les salamandres entrent en activité en même temps que les tritons, mais sont moins nombreuses et infiniment plus discrètes. Le meilleur moyen de les découvrir est de parcourir à vitesse raisonnable les routes forestières, de nuit, après une bonne pluie d'orage. Lorsqu'on les rencontre au hasard sur les routes, à cette époque de l'année, les femelles de salamandres tachetées ont quitté leur territoire habituel. Elles sont à la recherche d'un point d'eau dans lequel elles mettront bas leur progéniture. Les salamandres ne sont pas très difficiles quant au choix de leur lieu de ponte. Ce peut être une simple flaque au milieu d'un chemin forestier, un ruisseau ou les bords d'une mare. Arrivé à bon port, l'animal s'immerge à moitié dans l'eau peu profonde et libère un à un ses œufs. Ceux-ci ont la particularité de donner naissance instantanément à de petites larves qui se dispersent immédiatement. Quelques minutes plus tard, une fois cette tâche accomplie, la salamandre quitte définitivement l'eau pour rejoindre son domaine quelque part en forêt. Au milieu du printemps, la plupart des points d'eau forestiers auront été utilisés par les visiteuses nocturnes. Par dizaines, par centaines, les larves de salamandres occupent discrètement le fond des ruisseaux et des flaques. Qu'elles vivent dans le courant limpide d'un ruisseau ou dans l'eau glauque d'une ornière, les larves de salamandre ont besoin d'oxygène pour vivre. Elles l'obtiennent grâce à des branchies très développées situées à l'arrière de leur tête. Les larves de salamandre restent dans l'eau pendant plusieurs semaines, durant lesquelles elles doivent faire face à des prédateurs occasionnels. Leur seule défense est le camouflage, art dans lequel elles sont passées maîtres. Elles sont ainsi capables de changer de couleur en fonction du milieu où elles vivent. Quant à celle-ci, difficile de dire si c'est la volonté de se cacher ou le plaisir d'un jacuzzi naturel qui l'a décidé à s'installer ici. Bien qu'elles soient essentiellement nocturnes, les salamandres sont parfois actives en pleine journée, lorsque l'humidité est suffisante. Un orage, une averse, les font sortir de leur cachette et parcourir leur territoire, à la recherche de leur nourriture, faite de vers de terre, de limaces, d'insectes ou d'araignées. Physiquement mal équipées pour les grands déplacements, les salamandres ont un domaine vital peu étendu. Elles en connaissent par contre tous les recoins et les abris dans lesquels elles savent disparaître en cas de besoin. Au premier abord, la coloration des salamandres paraît fort peu discrète. Pourtant, lorsque l'animal reste immobile sur le sol, les taches jaunes vives et irrégulières de sa robe imitent à la perfection les éclats de lumière tombés des feuillages et la rendent presque invisible. Les couleurs vives que portent les salamandres, comme certains autres animaux, sont aussi interprétées comme étant une sorte de message adressé aux prédateurs éventuels, les avertissant de leur toxicité. Les salamandres sont en effet capables de sécréter un poison très amer, faisant, semble-t-il, reculer de nombreux prédateurs sauvages ou domestiques
qui évite soigneusement de les toucher. Sous le coup de la peur, le venin blanc laiteux sort par les pores d'une série de glandes situées sur le dos, les flancs et à l'arrière de la tête. Celui-ci est à l'origine de nombreuses légendes, attribuant aux salamandres des pouvoirs surnaturels, comme celui d'éteindre le feu, au point que François Ier, roi de France au XVIe siècle, en fit son emblème. Cette croyance perdure encore de façon très vivace dans certaines régions. Au début de l'été, la plupart des tritons ont quitté les étangs et les mares et ont retrouvé les charmes de la vie terrestre. Mais au milieu de la végétation aquatique, leurs œufs, déposés quelques semaines auparavant, ont donné naissance à de minuscules larves translucides, ayant à peine la force de nager. Ces délicates et minuscules machines vivantes, véritables bijoux de verre et d'or infiniment fragiles et vulnérables, passent les premiers temps de leur existence cachés dans la végétation. Puis, au fur et à mesure de leur croissance, elles nagent avec de plus en plus d'aisance et de rapidité. Comme les larves de salamandre, les larves de triton captent l'oxygène de l'eau grâce à des branchies particulièrement développées, en forme de plumet. Pour ce qui est de la nourriture, les larves de triton ont hérité de leurs parents le même tempérament carnassier. Au départ, elles se contentent de microscopiques animalcules, puis peu à peu s'attaque à des proies plus consistantes. Comme les adultes, les larves de triton éprouvent visiblement quelques difficultés à ingurgiter leurs victimes. Leurs dents microscopiques ne leur permettent ni de découper leurs proies, ni de les mâcher. Elles doivent donc s'y reprendre plusieurs fois avant de parvenir à leur fin. Quelques rares espèces de tritons et de salamandres parviennent à occuper le milieu montagnard. Comme d'autres animaux, elles ont su s'adapter et résister aux conditions de vie difficiles régnant en altitude. L'une de ces espèces, conquérante des domaines d'altitude, est une curiosité. Elle a été identifiée il y a quelques années seulement et s'appelle la salamandre de Lanza. Elle vit en Europe, dans le sud du massif alpin, vers 2400 mètres d'altitude, où elle n'occupe que quelques sites très localisés. Contrairement à sa cousine de plaine, la salamandre de Lanza est entièrement noire. C'est une caractéristique commune à de nombreuses espèces montagnardes.
Cette coloration passe en effet pour être une adaptation à l'altitude, dans la mesure où elle permet aux animaux de capter avec plus d'efficacité la chaleur solaire dont elles ont besoin pour vivre. La salamandre de Lanza possède elle aussi sur la peau des glandes à venin, bien qu'à l'endroit où elle vit, les prédateurs soient quasiment inexistants. À l'heure actuelle, la biologie de cette salamandre est encore très mal connue. Elle semble sortir de son trou pendant les nuits douces et humides, ou lors des jours d'orage. Comme la salamandre tachetée, elle se nourrit d'insectes, d'araignées, ou de petits vers rencontrés au cours de ses pérégrinations. Mais lorsque la lumière devient trop intense, elle disparaît dans son refuge qui est souvent une cavité ou une galerie creusée par les marmottes. À la fin de l'été, le comportement des salamandres de Lanza change quelque peu. À cette époque, en effet, chose unique chez les batraciens d'Europe, les mâles s'affrontent parfois entre eux, comportement qui paraît servir à la défense d'un territoire d'accouplement. On les découvre immobiles, bien en appui sur les pattes avant, la tête haute, paraissant monter la garde à proximité de leur tanière. De leur côté, les femelles arrivent au terme de leur grossesse. Le mot n'est pas trop fort, puisque chacune d'elles, après 4 longues années de gestation, donne véritablement naissance à 2 ou 3 jeunes parfaitement formés. Dès leur naissance, les jeunes salamandres sont totalement indépendantes. Très vite, elles se séparent de leur mère et se dispersent dans le milieu environnant, où il leur faudra attendre 6 ans avant d'atteindre l'âge adulte. Le fait de porter ces petits pendant si longtemps et d'assurer leur complet développement est une autre adaptation à l'altitude. En effet, si la salamandre de Lanza pondait des larves, celles-ci ne parviendraient jamais à se développer dans un environnement où le froid et la neige règnent en maître pendant 7 ou 8 mois. Au même moment, les larves de salamandres tachetées achèvent de leur côté leur vie larvaire et aquatique. Pendant que les larves de salamandres noires se développaient tranquillement, nourries et logées dans le ventre de leur mère, elles ont dû pendant 2 ou 3 mois se nourrir seules, échapper aux prédateurs, lutter parfois contre le manque d'oxygène dans l'eau pour pouvoir enfin commencer leur vie terrestre. Les branchies ont disparu au profit de poumons, permettant aux jeunes salamandres de respirer à l'air libre et de quitter définitivement l'eau qui les a vus naître. Mètre par mètre, d'abri en cachette, les jeunes salamandres gagneront la forêt toute proche. Elles sont le modèle réduit des adultes, mais devront faire face pendant 4 longues années à tous les dangers auxquels leur taille minuscule les expose avant de parvenir à l'âge adulte, où elles n'auront plus rien à craindre.